rêve, c'est de grimper l'Everest. Grimper l'Everest, grimper l'Everest. Un seul rêve, c'est de grimper l'Everest. C'est l'escalade, on va y aller sans palier, c'est parti pour la balade. Le but d'y arriver entier, on est groupé en bande. Amitié de plus de 20 ans, on prend la direction des ondes avec comme conviction. Le Mont Blanc, les chaînes se dégouffrent, les gouffres se déchaînent. En nous, ce qui coule, je n'ai certainement pas de la haine. On tire les traits sur le plan net, pas des fêtes, on fait des plans sur la comète. Mais pas la crête, les salles, d'accord, d'hier, on ne veut pas le refaire. Tout ce que l'on veut, c'est de grimper les frais. Notre rêve, c'est de grimper l'Everest, grimper l'Everest, grimper l'Everest. Un seul rêve, c'est de grimper l'Everest. Bienvenue dans mon monde. Et je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde connecté. Comme d'habitude, envoyer un petit message pour que les retardataires qui traînent sur Twitter se réveillent. Mais vu qu'il y a déjà Olivier, c'est bon. Alors, encore une nouvelle semaine. Dans le... la grisaille et le temps pourri, comme pourra le confirmer Patrice. Aujourd'hui, comme à la maison, en community edition, c'est comme ça que je vais l'appeler. Je vais quand même vous parler de deux trois petits trucs geek et tech, parce que je peux pas faire autrement, bien sûr. 28 degrés, Kangouni. Ouah, c'est vrai, tu nous fais rêver. Mais ça fait loin quand même. Ça fait loin. Je vais d'abord, pour ceux à qui je n'aurais pas cassé les oreilles, vous mettre le lien comme d'hab. Hop. Là, c'est le troisième titre qu'on a poussé avec mon groupe. En parlant de son, j'ai fait des essais en local, j'ai plus du tout de décalage, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est uniquement au moment où je diffuse en stream que ça se décale. Donc n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai d'ajuster au fur et à mesure. Hop. Normalement j'ai mis un petit peu, j'ai mis quelques frames de décalage. Si vous voyez que c'est encore trop décalé, je sais pas en fait ce qui se passe exactement. Donc vous me direz. Si je mets comme ça, ça n'a pas l'air mieux. Tac tac. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que c'est pire? N'hésitez pas à me le dire. Et ben allez, en avant. Je voulais vous montrer. Alors, tout d'abord, hop, je vous le partage. Je voulais vous partager. Voilà. Pour tout ce qui est l'univers des cartes Microbit, il y a un repository tenu par Carlos qui liste un petit peu toutes les ressources un peu sympas, donc qui est visiblement toujours à jour, hein. Que ce soit les différents langages que on peut utiliser, les outils qu'on a autour, le matériel, et puis tout un tas de projets que vous pouvez aller explorer. Donc il y a vraiment une palanquée de trucs, hein. Il y a aussi un listing des extensions pour la partie bloc avec mes codes. Voilà, on peut le coder dans plein de langages. Il y a même du Rust au passage, plus tous les autres qui sont peut-être un petit peu plus anecdotiques parce que c'est plus compliqué de mettre en place l'environnement pour que ça fonctionne. Mais bon, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Et la partie
partie que je trouve sympa, c'est la partie projet, où ben, les gens, enfin, les gens, ou en tout cas des gens qui avaient repéré des projets sympas, viennent les lister ici, souvent plutôt bien documentés. Donc, il y en a qui font des projets pour faire une simulation, par exemple, du jeu Simon. Voilà, ils vous montrent le montage qu'ils ont fait avec une breadboard, comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez des idées avec les cartes Microbit, ce site me semble quand même plutôt pas mal. Tac, je vais vous mettre le lien. Et puis je mettrai bien sûr dans le replay pour que vous y ayez tous accès. Ça permet de vous donner éventuellement des idées, je ne sais pas. Oui, je vais mettre le lien tout de suite, bien entendu. C'est que ça devient exigeant maintenant. Ça veut dire quoi, ça? Voilà le petit rappel pour la partie Microbit. Ensuite, je ne sais pas si il s'est connecté aujourd'hui, mais peu importe, je lui enverrai le lien du replay après. Et puis de toute façon, je vais lui demander d'autres détails. Il y a quelqu'un qui, sur Twitter, s'est retrouvé à me poser quelques questions, mais finalement pas tellement dans le détail de ce qu'il avait besoin pour un projet qu'il aurait lui. Qui va concerner alors plusieurs aspects que je trouve sympas. Il veut partir a priori d'un ESP32, donc très bien, pourquoi pas. Relier un capteur pour tout ce qui est gaz, en l'occurrence CO2, si je ne dis pas de bêtises. Et il voudrait assembler ça pour avoir un suivi et des alertes chez ses parents qui ont un peu parfois tendance à oublier d'aérer la maison. Des raisons qui lui sont propres, il voudrait leur donner un moyen de surveiller ça. Et ben, son projet serait de faire tourner un ESP32 avec un capteur. Je l'inviterai peut-être, tiens d'ailleurs, s'il veut nous en parler brièvement à l'occasion. Un capteur donc qui serait relié à son ESP32 et qui communiquerait donc par Wi-Fi avec, il sait pas encore trop où, mais il aimerait avoir des alertes et un graphe de ce qui se passe sur ces différents. Donc il y en aurait deux a priori, puisqu'ils vont en mettre chez deux familles, je pense. Et pour communiquer au milieu de tout ça, il voulait utiliser ce qu'on appelle MQTT. Alors, plutôt que de vous faire des slides, je vais vous mettre les liens de ce que j'ai trouvé en anglais et en français à ce sujet. MQTT, en fait, c'est un protocole. Peut-être que je vais commencer par celui-là parce que je trouve qu'il y avait un truc intéressant au début. Voilà. Je vais vous mettre tous les liens, bien sûr. Sinon, je vais me faire gronder par Patrice et il aura raison. En fait, quand on parle d'IoT, quand on parle d'objets connectés, voilà, exact, c'est toi, Olivier, qui l'avait orienté vers MQTT et dans la foulée qui l'avait envoyé vers moi. Enfin, je pense que tu aurais pu lui répondre, petit coquin. Le truc, c'est que les objets connectés, comme l'indique là, ce sont souvent des objets avec des ressources pas forcément folles quand on compare avec un ordinateur. Encore qu'on a vu déjà qu'il y avait des microcontrôleurs. Genre, si on prend un ESP32, il y a déjà quand même pas mal de puissance de calcul et finalement un peu de RAM. Mais bon, c'est quand même un environnement limité. Souvent, quand il y a une connexion au réseau, ou voire pas, parce que ça peut arriver. J'en parlerai dans une autre émission, on peut avoir des moyens de délayer dans le temps et de transmettre autrement les infos. Mais bon, souvent ce sont des objets qui ont une connexion réseau souvent limite, soit du réseau mobile, qui n'est pas forcément toujours super stable, soit du Wi-Fi. Mais ces objets ont peut-être des soucis de connexion, ils sont peut-être pas tout le temps connectés pour faire des économies d'énergie, puisqu'il y a un souci d'alimentation aussi sur ces objets. On n'a pas envie de consommer trop de données, à la fois parce qu'on peut être sur un système, par exemple sur de la 2G, il y a encore des abonnements qu'on peut utiliser pour ça, mais on a généralement un plan d'abonnement avec un nombre, une quantité de données par mois limitée. Donc on veut être économe dans ce qu'on transmet, puis de toute façon, comme on est sur des microcontrôleurs, et ben on cherche à limiter les quantités de données qu'on manipule aussi. Et tout ça aboutit hop, au besoin. Alors, je ne sais plus si lequel est le plus clair des deux ensuite. Je vais vous mettre celui en français.
pourrais faire une vidéo complète, mais je pense que comme intro, ça peut peut-être suffire. L'idée, ça a été d'inventer un protocole, parce que quand on a nos machines qui sont connectées, quand on dit connecté au web, quand vous regardez votre navigateur, vous avez le petit HTTP ou le HTTPS, c'est un protocole par-dessus la connexion un peu plus brute. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc là, le microcontrôleur, généralement, il a la capacité, par exemple, un ESP32 à se connecter au Wi-Fi, donc il a une connexion brute. Pour communiquer avec des serveurs ou avec d'autres appareils, il lui faut quand même un protocole d'échange avec eux. Et plutôt que de mettre HTTP, qui est quelque chose qui va donc envoyer en plus des informations, par exemple ce qui va décrire votre page web, on va avoir beaucoup d'informations dans les échanges HTTP qui va dire j'ai besoin de cette page, ouais ok je l'ai, est-ce qu'il y a un problème comme ci, comme ça, qui es-tu, quel navigateur, enfin il y a pas mal de choses qui s'échangent. Et en MQTT, on cherche à diminuer cette couche d'échange au maximum. Donc, en plus, dans ce protocole, on a plusieurs niveaux malgré tout. Il y a une couche très basse, mais il y a quand même trois niveaux de qualité de service au-dessus. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce que vous voyez au milieu qu'on a appelé broker MQTT. Donc, MQTT, je crois qu'il y a la définition là où c'est dans celui d'à côté. Et je n'ai même pas révisé juste avant. C'est donc le message queuing telemetry transport. Donc, je trouve que dans le nom, ça résume de toute façon ce qu'on va retrouver comme concept. Message, parce qu'on va échanger des messages et des choses relativement courtes. Queuing, on va le voir tout de suite, c'est parce que c'est basé sur des fils en fait, d'informations qu'on va stocker et consommer. Et puis souvent, c'est de la télémétrie dans le sens où on va beaucoup avoir d'objets qui utilisent ça pour... un capteur de température, un capteur de pression, un interrupteur, des choses comme ça. Télémétrie, parce qu'à l'arrivée, le but, c'est quand même d'avoir un petit peu, donc télémétrie transport, d'avoir sur des serveurs où vous allez exploiter l'information au final. Donc voilà. Et le principe, c'est d'avoir, donc là, c'est représenté par des personnages, parce que on reste vague, mais vous pouvez imaginer que chacun de ces petits bonhommes, c'est un microcontrôleur... Oui, tout à fait, j'avais oublié de la mettre, merci à la vidéo, avant que je me fasse gronder. chacun de ces petits bonhommes, vous pouvez imaginer que c'est votre microcontrôleur avec par exemple, on va dire un capteur de température ou dans le cadre de son projet, un capteur de gaz, un capteur de CO2. Et le principe, donc là ils ont marqué broker, restez simple, imaginez que c'est juste un serveur quelque part qui va gérer le protocole MQTT. Il va gérer le fait que ces différents acteurs qu'on a autour vont pouvoir faire deux actions. Soit publier une information, donc par exemple, j'ai un capteur de CO2, je dis que le taux est de XXX, une valeur, un entier, une valeur à quelconque, ou un capteur de température, ici il fait 32 degrés. Ça publie l'information sur le broker MQTT, et puis d'autres acteurs ou les mêmes, parce que chaque petit acteur peut à la fois publier ou consommer de l'information. En fait, il va signaler à un moment donné qu'il va souscrire à tel type d'information. On va voir sous quelle forme juste après. Et donc, quand le broker MQTT va recevoir des informations, il va les redistribuer à tous ceux qui ont demandé cette souscription. Donc, c'est gérer ce système de souscription et de publication par ce qu'on va appeler des topics. Donc, ça doit être sujet en français. Je ne sais pas si vous voyez le traduit là. Sujet. C'est un peu vache là. Il n'y a pas trop de dessin, mais bon. Si je reprends peut-être un des schémas là, on peut avoir ce genre de choses en fait, où vous allez avoir donc votre broker MQTT. Voilà, ici on a trois nœuds qui vont publier régulièrement une information de température, et quelque part il y aura un consommateur de ces données où il est souscrit à ces différentes informations et il va les consommer. Donc cette histoire de topic, est-ce qu'il y a un endroit où on en voit, voilà, il y a des exemples. Donc ce qu'on appelle les topics, ça va être une chaîne qui va être le représentant de cette information. Donc là ils ont pris un exemple de plusieurs capteurs qui sera assemblé autour, oui, à chaque fois il y a un slash comme si vous étiez dans un chemin dans vos fichiers. Donc on dit que c'est à la maison, et puis la deuxième partie, on va dire qu'il va y avoir le rez-de-chaussée, j'imagine, res là, voilà. Et puis il y a le portail, et puis il y aura le jardin. Et après, on peut encore décliner ça. Donc on voit que le portail, la seule information qui va donner, c'est le statut, j'imagine ouvert ou fermé.
Et puis dans le salon, on va avoir un capteur de température et puis on va avoir un niveau de lumière, j'imagine, luxe, là, comme ça. Donc ça se décline comme ça. Et donc tout consommateur de ces informations va dire, par exemple, ben je veux me souscrire à maison slash res slash cuisine slash temp. Et à chaque fois que un capteur en question va publier l'information température dans ce topic-là, eh bien, le broker au milieu va dire qui a souscrit à cette information et va le donner à tous ceux qui ont demandé à avoir accès à cette information. Si la personne en question a ses besoins, on rentrera plus dans les détails. Et vraiment, là, l'idée, c'est pas non plus de faire une vidéo complète parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur MQTT. Mais sachez que pour simplifier, comme par exemple dans le schéma qu'on avait ici, où on avait quelque chose qui allait rassembler toutes les informations et les digérer, que ce soit par des graphes ou parce qu'on a des actions à mener autour. On peut utiliser, il y a une façon d'utiliser, vous voyez, le dièse et le plus vont permettre par exemple de s'abonner à tout ce qui va concerner le rez-de-chaussée ou alors tout ce qui va être une information de température. Donc on a quand même des choses un petit peu plus avancées pour travailler. Donc Olivier nous précise là dans le chat exactement ça fonctionne comme un MOM, un Message Oriented Middleware. L'idée c'est, comme vous voyez dans un MOM ou ici le MQTT, puisque c'est aussi effectivement un MOM, c'est d'avoir toutes ces files qui vont recevoir des informations dans des sujets et ceux qui auront souscrit récupéreront l'information. Donc c'est le principe de base du MOM. Après, MQTT a des spécificités comme on a vu pour limiter la consommation de données, que ce soit en taille de message, en utilisation réseau et autres. Et puis, bon, après, il y a plein, voilà, il y a la qualité de service dessus, on peut malgré tout avoir de la persistance ou pas des différents messages, enfin, plein d'autres sujets. Je reprendrai plus dans le détail avec la personne en question quand elle se penchera sur son projet en détail, mais sachez que la partie broker, eh bien, vous avez le choix, comme je vous avais montré l'autre jour, d'aller, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, mais je le trouve simple d'accès, alors je vous le remontre. Adafruit met à disposition, alors il y a des plans payants pour des choses plus avancées si vous en avez besoin, mais pour apprendre et pour faire vos premiers prototypes, c'est ni plus ni moins qu'un serveur qui va être interrogeable avec le protocole MQTT. Il va agir comme broker MQTT, va vous fournir, comme je vous ai montré l'autre jour, des graphes déjà prêts, enfin un certain nombre de choses. Donc pour commencer, vous prenez pas la tête, ça peut faire l'affaire. Je vous mets le lien aussi. Tac. Il en existe, je vais essayer de faire une vidéo récapitulative, mais il en existe chez tous les grands fournisseurs aujourd'hui. Que ce soit Amazon, Google, Microsoft avec Azure, ils ont une partie IoT qui notamment interagit avec tout ce qui est MQTT, donc pas que, mais ça fait office de broker MQTT. Sinon, vous avez aussi la possibilité, alors il y en a d'autres, hein, mais vous avez le projet Eclipse Mosquito qui vous permet d'héberger vous-même votre broker MQTT, c'est pas compliqué du tout. Alors vous savez, comme je suis un grand fan de tout ce qui est Python, hein, mais il y a d'autres langages bien sûr qui peuvent interagir avec, mais avec Python c'est super facile, il y a des librairies avec. Le projet Eclipse Mosquito, de toute façon, vous voyez là, c'est la partie PAO, propose des librairies pour différents langages, donc il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous mettre le lien également pour celui-ci, ça c'est si vous voulez l'héberger vous-même. Et oh, bah, je vois qu'aujourd'hui j'ai la grande foule des grands jours. Vous pouvez aussi utiliser. Alors là, ça commence à être un. Là, Mosquito, si vous savez installer un logiciel et lire une doc, c'est parti. Mais on peut utiliser, si vous êtes développeur, vous pouvez ajouter la partie MQTT et l'écrire partiellement vous-même, puisque on nous signale à juste titre que Vertix fournit un serveur MQTT. Et effectivement, ça marche très très bien. J'espère que Philippe pourra aboutir sur son projet. J'avais participé un petit peu. Petit projet sur GitLab qu'il a dû appeler Scarlett, je crois.
où l'idée c'était d'avoir un broker MQTT au milieu de tout ça, mais pas que, que ça fasse passerelle éventuellement HTTP. C'est peut-être, tiens, s'il ne le fait pas lui-même sur sa propre chaîne, je l'inviterai à venir nous en parler, c'était assez intéressant. L'idée dans ces projets, c'est d'avoir des prototypes avant même de vous pencher sur l'aspect matériel, d'éventuellement avoir un faux objet connecté qui communiquerait juste avec du HTTP, et ça pourrait être votre navigateur aussi. Enfin, il avait fourni un certain nombre de trucs, donc je lui demanderai. Salut Charles. Donc voilà, finalement, je ne pensais pas parler autant de tech aujourd'hui, mais comme on m'avait posé cette question, ça me semblait important de partager le petit niveau d'info que je peux avoir là-dessus. Et si j'avais dit que c'était Community Edition, c'est parce que je vous avais posé une question la semaine dernière et vous étiez nombreux à visiblement avoir souhaité que je me lance. Donc, je l'ai fait. Je vais vous partager un lien important maintenant. Le temps que j'aille le recopier parce qu'évidemment, j'ai fait d'autres trucs entre temps. Voilà, copier. Voilà le lien pour rejoindre le Discord de Comme à la maison. J'ai pas fait une grosse config là-dessus. Je vous mets le lien, vous pouvez rejoindre. Pour dans un premier temps, l'idée c'est vraiment qu'on soit entre nous, les gens qui passent sur Comme à la maison. Vous allez retrouver déjà Patrice avec qui on avait fait un essai. Dans un premier temps, pour pas être trop pollué, parce que je ne sais pas trop comment ça va transiter, le lien d'invitation, tout ça, vous allez vous retrouver normalement sur le serveur, dans le canal antichambre. Comme ça, si un bot déboule là-dessus, je pourrais un peu gérer l'éventuelle pollution de connexion. Vous n'êtes pas trop nombreux, je vais donc tous vous basculer avec le statut de membre qui vous permettra d'avoir accès. Pour l'instant, il y a un canal général, que ce soit audio et un salon textuel. Et puis, on verra ce qu'on fait. Donc là, je vois Julien qui vient de débarquer. Donc, n'hésitez pas si votre icône ou votre pseudo n'est pas clair par rapport à Twitch ou à Twitter, si je ne vous connais pas tout de suite, à me rappeler rapidos qui vous êtes. Et je vais vous rajouter les rôles de membre au fur et à mesure que je vous vois arriver. Bienvenue Julien, bienvenue Olivier. Donc pour moi, l'idée derrière tout ça, c'est ce que je vous avais proposé l'autre jour, c'est d'avoir un endroit où on puisse échanger entre les émissions et où vous puissiez interagir entre vous aussi et où il puisse y avoir des traces écrites. Ça peut être pratique quand on communique un info, un lien, c'est pas souvent assez complet. On en profitera au fur et à mesure, au besoin. N'hésitez pas à demander si vous pensez qu'on peut se créer des canaux pour différents sujets. On divisera si le canal général est trop surchargé. Mais enfin, on ne va pas être très nombreux, je pense, donc ça devrait bien se passer. J'ai pas spécialement renforcé une charte ou un code of conduct, comme on dit. Mais sachez que j'habite en France, je pense qu'il y a des lois. Donc le premier qui dérape, il va faire un tour ailleurs. Et puis, on va essayer de continuer d'être le plus bienveillant entre nous, parce que je pense que c'est ce que j'ai pu récolter de vous. C'est, je trouvais une grande bienveillance entre ceux qui passaient là. Donc je veillerai, je serai le dictateur bienveillant de ce Discord. Je pense qu'on essaiera aussi d'utiliser le côté audio de tout ça. Je ne sais pas sous quelle forme, si ça peut être intéressant. J'aime bien avoir le chat de Twitch parce que ça permet d'avoir une trace écrite pour tout le monde pendant l'émission. On le perd après dans le replay YouTube parce que j'ai pas trouvé de manière intelligente de le... Comme je coupe un peu le début et la fin, je ne sais pas comment on pourrait le mettre... de manière sympa sur le replay. Je l'ai en incrustation. Normalement, il y a à peu près tous les messages qui passent, mais dans certains cas, quand je suis en train de montrer le bureau, je crois que les messages ne passent pas. Enfin, bon, voilà. L'idée, c'est d'avoir des traces écrites de tout ça. Par exemple, Patrice voit que le Pico RGB Keypad Base est dispo, il peut nous mettre un lien sur le Discord. Comme ça, il n'y a pas que moi qui vais vous déclencher des pulsions d'achat. Vous allez pouvoir les déclencher les uns les autres. Ça ne sera pas mieux. Ça sera pire. Donc voilà, hop, je vois que Kongduno vient d'arriver aussi.
Donc, je surveillerai au fur et à mesure pour que tout le monde puisse accéder. On se fera peut-être des canaux, je vous ai dit, je sais pas, par projet, par exemple. Le petit projet, s'il y a des curieux, c'est pas grave, Bbox, t'es à la bourre, mais normalement ça doit être accessible. J'espère que tu as eu le lien. Je viens de publier le lien pour rejoindre le Discord que je lance aujourd'hui. Si c'est pas le cas, je peux te le remettre. T'as raté plein de choses que tu iras voir en replay, mais c'est surtout ce lien-là que t'as raté. Ça et Patrice qui se met à vouloir vous faire acheter des trucs. Donc je pense qu'il y aura peut-être un canal pour les histoires de modélisme avec Patrice, parce que c'est des sujets un peu particuliers, mais on verra quoi. Si ça fait trop de discussions sur le canal général, on fera des choses un peu plus dédiées. Toc, je vois que Charles a été reconnu, mais il n'a pas atterri dans l'antichambre. Je vais essayer de patrater Charles, t'inquiète pas. Hop. Voilà, je vais passer le reste de l'après-midi à vous rajouter. Ceux qui voient le replay, le lien sera encore valable, je le mettrai dessous. Au bout d'un moment, peut-être que je le changerai pour pas être, si jamais vous tout à coup ça devient un Discord avec 5000 personnes, je vais pas y arriver, mais je suis pas trop inquiet pour l'instant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir échanger un peu plus régulièrement avec vous. S'il y a des problèmes dans la semaine sur un de vos projets, ben, on peut en discuter ensemble, ça peut être sympa. Parce que Twitter, finalement, j'ai répondu à des questions, mais c'est vite limité, c'est pas pratique, ça profite pas à tous. Je peux remettre le lien, je viens juste de le remettre, Bbox. Regarde, je le remets pour toi. Voilà. Ne t'inquiète pas, j'allais pas t'oublier quand même. Donc je pense que, ben voilà, on commence à être. Alors si dans les histoires de aussi l'aspect petite communauté. Moi, il y a des trucs que je trouve rigolos. Je voudrais savoir ce que ça fait sur Twitch d'être affilié. Donc, il me manque le fait qu'on soit 50 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Twitch et que vous voyez ça, s'il vous plaît, cliquez sur le petit lien. Je crois qu'il manque 2 abonnements. Je vais voir ce que ça fait, ce que ça ouvre. Est-ce que ça me permet d'enlever certaines pubs, par exemple? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Et sur YouTube, vous êtes 279. J'ai regardé tout à l'heure. Parce que ça m'a fait rigoler. J'ai vu qu'Aurélie, coucou Aurélie, était à 293. Donc je compte sur vous sur YouTube pour qu'il y ait des nouvelles souscriptions à la chaîne. Et qu'on passe devant Aurélie et qu'on arrive les premiers à 300. Aurélie, c'est ton défi. Arrive à 300 avant moi. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Tu as fait abonner. Oui, j'ai vu qu'il y avait un abonnement ce matin. Ouais. Ça te met échec du chargement des messages. Eh bien écoute, Bbox, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que le serveur ne veut pas de toi. Les autres ont réussi. De toute façon, on passera en off si tu veux à côté. Si tu galères à rejoindre, je t'enverrai une invitation dédiée. T'inquiète pas, on va y arriver. Échec du chargement des messages. Ben, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que normalement, c'est un lien, tu cliques et ça passe. Ah voilà, je te vois arriver. Pas de panique. Donc voilà, entre YouTube, entre Twitch. Si on arrive à avoir une communauté un peu sympathique, c'est pas plus mal. Je vous poserai aussi des petits sondages de temps en temps, en dehors du fait qu'il y ait des sujets d'émission, parce que je pense que je vais essayer de faire. T'étais pas habitué à Discord, bah tu vois, tu vas t'y mettre. Tout va bien. S'il y a des sujets qui viennent, n'hésitez pas aussi de balancer des idées dans le Discord. Entre 2 émissions, ça me permet des fois de piocher une idée. Vous voyez, comme là, l'histoire du MQTT, parce qu'on m'a posé des questions, j'en ai fait un sujet, mais on peut partager ce genre de choses sur le Discord aussi. Sinon, dans ce qu'il y a de très intéressant pour la suite, je suis très content d'avoir plusieurs personnes qui ont accepté mes invitations pour venir nous parler de différents sujets en live, de venir faire une petite interview. C'est un mode qui a l'air de plaire à beaucoup de gens, notamment après j'ai vu que c'était des émissions qui étaient pas mal vues en replay. Donc Patrice, sache que tu es en tête de la fréquentation des émissions comme à la maison, de peu je crois, parce que il y en a une où j'avais fait une présentation rapide du Pico de Raspberry, c'était je crois que ça t'est passé devant de justesse, mais à peu de vues. Donc nous allons avoir cette semaine, je vous l'annonce maintenant, Olivier qui nous fera le plaisir, qui me fera l'honneur
de venir partager l'émission de jeudi. Ça sera jeudi cette semaine, parce que j'amène mon fils à l'hôpital pour enlever son, normalement, si tout va bien, son attelle au bras. Donc Olivier, entre autres, on verra, suivant si on est des pipelettes ou pas, et comme on est tous les deux des pipelettes, ça risque d'être long, vient nous parler notamment de son émulateur Amstrad, entre autres. Je dis entre autres parce que je suis sûr qu'on va parler de plein de sujets autour des vieux processeurs et autres, j'en suis certain. Donc voilà, je suis content d'avoir Olivier jeudi à 13h comme d'habitude. Et la semaine prochaine, nous aurons Idriss qui viendra nous parler de sujets qui lui tiennent à cœur. Ce sera aussi le jeudi normalement. On va parler émulation au sens large, c'est bien, ça me va bien. Ça me va bien parce que comme ça je pourrais parler d'émulation d'autres machines que je connais un peu mieux. Mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici jeudi. Je vais essayer de voir si j'arrive à compiler la version sur Raspberry, sur ma Pi 400, que je puisse faire des parties de Fruity Frank avec madame. Ça lui rappellera les jeux qu'elle avait sur l'ordinateur paternel chez elle. Donc voilà, donc on dit comme ça, Olivier, on dit qu'on va parler émulation d'anciennes machines. On pourra placer plein de trucs, je pense, ce jeudi. Et bah je n'ai pas parlé du détail avec Idriss de ce qu'il souhaitait développer, mais il y aura des objets connectés, un de ses projets plus particulièrement liés à l'agriculture, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, on vous parlera de tout ça. Ça nous fera deux belles émissions d'interview. J'aime beaucoup ça, et vous aussi, a priori, parce que c'est des émissions qui sont pas mal vues. Donc, s'il y a d'autres personnes que vous souhaitez interviewer, je me paierai peut-être le culot d'aller voir des gens qui connaissent pas spécialement l'émission. On peut essayer d'amener des gens qui ont des choses intéressantes selon vous à partager. Donc, toujours pareil, soit pendant les émissions, donnez-moi des noms de gens que vous voulez voir en interview. Maintenant qu'on a le Discord, c'est aussi un truc qu'on peut aborder sur le Discord. Si vous pensez qu'il y a des gens intéressants à voir pendant les émissions, ben, ça sera avec plaisir. Et puis voilà, on essaiera d'avancer. Je sais que Patrice a plein de choses, ça bouillonne dans sa tête, là, dans ses projets. S'il vous a mis le lien pour un produit chez Pimoroni, c'est alors. Je te préviens, Patrice, ce que tu as mis comme lien, ça utilise encore un autre microcontrôleur, hein. C'est sympa, mais c'est encore autre chose. Alors, Steve Wozniak en interview, c'est jouable. Écoute, ça me pose aucun souci de lui faire un email, hein. Il n'y a pas de problème. Loana, je la connais pas perso, je sais pas ce qu'elle pourrait nous raconter, mais pourquoi pas, tu sais. C'est un contact, je peux lui demander. On va faire à une échelle où ça peut attirer les gens, hein. Soyons modestes, mais oui, pourquoi pas. Après, ça risque d'être des interviews en anglais, là, Steve Wozniak et tout ça, moi qui parle français. Moi, ça me dérange pas de faire une émission en anglais, mais c'était plutôt en français jusque-là. Des émissions en anglais de qualité, il y en a plein. Donc voilà. Entre le Discord et tout ça, on aura le temps de discuter de plein de trucs. Patrice, tiens-nous au courant de tes idées autour de ton clavier, ou appelle-moi si tu veux qu'on en cause. Moi, de mon côté, je suis en train d'essayer de faire une émission, comme j'ai parlé aujourd'hui d'MQTT. J'essaie de faire quelque chose d'un peu plus détaillé, notamment de tester les différents portails qui existent. Et puis, j'aimerais beaucoup, je ne sais pas si je vais acheter un produit. Je pense que dans un premier temps, je vais faire la méthode à la maison avec un ESP8266 que je vais utiliser pour connecter une carte micro:bit au Wi-Fi, pour faire du MQTT depuis une carte micro:bit. Après, je sais qu'il y a pas mal d'extensions qui sont sorties, donc on verra. Ce qui devrait normalement, ne t'inquiète pas, Conduino, ça n'est pas oublié, m'amener tranquillou vers l'aspect projet avec Laura, et notamment avec des outils pour les cartes micro:bit. Faut pas que j'oublie que cette année, ça fait déjà quelques mois que je suis champion pour micro:bit, mais j'ai pas fait beaucoup de projets, donc il faudrait quand même que je vous remontre un peu des choses sympas avec ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, c'était sympathique comme d'habitude. Je vous dis donc à jeudi avec Olivier. En attendant, passez une bonne semaine. Ciao, ciao!